Petits amis de Japan Expo, on peut faire coucou aux petits amis de No Life, vite fait. Ah, c'est beau, hein. Ça se trouve, vous verrez vous-même en train de regarder cette émission, c'est un truc super bizarre, enfin bon, voilà. Allez. Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Que vous êtes beaux, il y a plein de gens costumés, c'est absolument... Enfin, habillés, on m'a dit de dire habillés, pas costumés. Voilà, vous êtes magnifiques. C'est un plaisir de vous retrouver chaque année. Ça devient une petite tradition hein, depuis la naissance de No Life. On se retrouve à Japan Expo. Et c'est Marcus contre le reste du monde. À ma grande surprise, j'ai gagné les deux premières éditions. Alors que je m'y attendais pas du tout. C'est vous qui êtes mauvais, c'est pas moi. On va voir aujourd'hui comment ça tourne. Maintenant, il va me falloir 10 candidats pour venir me rejoindre. Alors, comme chaque année, le problème, c'est de choisir, évidemment. Et je vais prendre des gens, si possible, avec des costumes ridicules. Et je vois un Mario tout de suite qui m'a l'air bien ridicule. Un lapin ridicule, ça marche aussi. Allez, viens. Des Naruto. Un petit Dungeon Quest. Viens avec moi, avec ton petit chapeau. Oh, je vois Homer Simpson, là-bas, qui va venir avec moi. Ah, une fille. Oui, je voulais une fille. Tiens. Voilà, histoire de montrer qu'il n'y a pas que les gars qui jouent aux jeux vidéo. C'était une fausse fille. Ah, j'hésite. Bon, je vais le prendre quand même. Une fille, voilà, très bien. Allez, Jean-Claude, cherche Jean-Claude. Ramène-moi des gens, Jean-Claude. Ah, voilà, elle m'a trouvé des gens avec des costumes sympas. Ça, j'aime bien toujours. On a tué l'année dernière, nous, donc forcément. Ah, ça y est, j'ai ma dose, là. Et je ne prends pas de redoublant. Ah, Jean-Claude m'a trouvé un gars tout droit sorti de Motorstorm, on dirait. Et comme j'aime bien Motorstorm, c'est super. Merci, Jean-Claude. Neo Geo, Battle Colosseum. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mario. Alors, Jérémy. Jérémy. Ouais. Alors, Jérémy, je te donne la deuxième manette, celle qui est truquée, bien sûr. Ah oui, il faut... Non, rien n'est truqué. Hein. Attends, je retire mes gants quand même, parce que... Oui, ça serait un handicap. Ah, et oui. On va s'asseoir, regarde comme on est bien. Tiens, un petit cadeau quand même. C'est pas vrai. Super Marcus Bros. Super Marcus Bros, regardez, c'est absolument magnifique. Voilà, ouais, c'est comme ça. Avec le bullet time. Oh, c'est super. Mais je vais le mettre de côté. Alors, qui tu vas choisir, Mario? Je sais pas. Ils ont tous... J'ai pris ce jeu-là parce que je trouvais qu'ils avaient des looks absolument hallucinants. C'est génial. Il y a notamment, j'aime beaucoup, une sorte... Ouais, je peux aller là aussi. Attends, je sais même pas où est mon petit curseur, tout ça se mélange. Monsieur, j'aime bien. Voilà, moi je trouvais qu'il y avait une tête de fesse celui-là. Donc je vais le prendre. Et puis on va prendre tiens, une petite nénette. Voilà. Gonchou, Konchou, Chonchou, j'arrive pas à prononcer. Voilà. Ça veut dire quelque chose en japonais ou non, non. Ça se trouve, c'est une héroïne super connue, mais comme j'étais pauvre et que j'avais pas de Neo Geo, je le sais pas quoi. Bon, exprès, j'ai pas beaucoup joué pour pas avoir beaucoup d'expérience. Donc je suis à gauche, le plat de spaghetti qui remue, c'est moi, et Mario est à ma droite et commence à me couper les spaghettis en tranches alors que j'ai eu le temps de rien faire du tout en fait. Voilà. J'apprends les touches, hein. Un petit coup de 4 saisons, un petit coup de bolognaise dans ta tronche. Pour le moment, c'est plus moi qui prends. Alors, essayer des petits sauts, des trucs un peu efficaces. Il y a gros coup de poing, gros coup de pied, enfin tu vois, des trucs assez basiques. Et puis tu peux tenter, alors je sais pas, des quarts de cercle. J'ai rien appris de particulier. Alors je pense que les fans de jeux de baston vont être assez dégoûtés parce que du coup, on verra sûrement pas de beaucoup, à moins de tomber sur un mec super fort qui connaisse bien le jeu. Moi je connais Je me contenterai d'un petit coup de tentacule. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Ça va. Ah mais il a un flingue le mien, voilà, très bien. Ah bon? Tiens, voilà, je t'envoie un petit truc vert. Moi, je t'envoie un gros truc rouge. C'est pas mal, c'est efficace. Ah là là, voilà. Je l'ai eu. Alors voilà, ton coéquipier qui vient à la rescousse. Donc du coup, tu changes de personnage. Oui. Alors moi aussi, normalement, je peux changer de personnage à tout moment. Voilà la fille que j'ai choisie, qui arrive en pyjama. Un peu manque de classe. Ah, je fais une demi-boule de feu. C'est un nouveau concept. Allez hop!
Alors, il n'y a qu'un seul round, hein. Oui, j'ai pas eu le temps de te prévenir, mais comme on a deux personnages, il n'y a qu'un seul round. Voilà, je préférais mon plat de nouilles, en fait. C'était beaucoup plus efficace. Et vous, petits amis de Japan Expo, vous pouvez encourager, évidemment, quand il y a des très beaux coups. Hein. C'est trop tard, j'ai perdu. Yes. Eh ben, bravo, Mario. Bon, ben voilà, 1-0 pour Marcus. Yes. Je dis pas que ça va continuer comme ça. Ben, j'espère bien. Comment tu t'appelles? PNJ. PNJ? Oui, trop lettre. D'accord. Mais c'est l'habitude de me battre contre des PNJ, donc ça va pas tellement me changer. Bah non, pas tant que ça. Eh bien, assieds-toi. T'es fort en jeu de baston ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins. Espérons que ce soit moins pour moi aujourd'hui. Et vous savez, moi, en fait, les jeux de baston, ça me fait juste rire pour jouer avec des potes quand les personnages ont des têtes rigolotes et des coups spéciaux un peu marrants. Sinon, le côté performance, on s'en fout un peu. Du moment qu'on joue avec ses potes, c'est quand même ça qui compte, non? Voilà, je vous retrouve. Tu as pris Robert. Donc j'ai pris Robert, juste pour le prénom. Bon, alors moi, on dirait une sorte de Ken. Oh, peut-être une tenue de détenu, je ne sais pas. Et toi, on dirait un peu Michael Jackson, comme quoi il est pas mort, ouais. En fait. Il était sur l'Xbox Live. Tout le monde dit qu'il est pas mort, mais il est là. Alors, il n'y a plus qu'à trouver le robot qui chante. Tiens, je vais faire une petite surprise. Je vais faire venir la fille, finalement. Avec son gros bâton. Tu peux changer à tout moment avec la gâchette du dessus. C'est vrai, je t'ai pas dit, voilà. Et du coup, t'es revenu avec le petit vieux. Et ma fille s'est barrée, j'ai rien demandé. Ah voilà, ça y est. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Oh oui, c'est magnifique. Oh là là. En fait, tu fais de la muscu. Il semblerait. Tu l'avais caché. Oh, ça fait mal, ça. Il ne faut pas que je me laisse acculer sans vouloir faire de... Oh, tiens, une petite boule de feu, quand même. Ça s'applaudit, une boule de feu, quand même, non? Enfin, quand c'est moi qui l'a fait, évidemment. Une sorte de... Hop. Essayer de la refaire, mais j'y arrive plus. On dirait qu'elle joue au golf, elle a une canne de golf. Oh oui, ça m'impressionne plus, tes muscles. Tiens, par contre, voilà ma boule de feu. C'est un quart de cercle, hein, comme un bête Street Fighter. Elle a un petit bâton de majorette. Ah, tu nous ramènes Robert, finalement. Robert, 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 Robert. En fait, c'est Michael, pardon. Michael, oh yes. Oh, tu as eu mon Akari. Akari, c'est fini. Comme on dit chez nous. Et il reste plus que Mister Karaté, qui est plus en forme que Robert. Mais toi, tu dois avoir un autre gars en plus. Alors, pour les amateurs de baston, évidemment, vous vous rendez compte que c'est pas du très beau jeu. Hein. Vous pouvez passer votre chemin. En tout cas, pas de ma part, parce que pour le moment, tu te débrouilles plutôt bien. Merde. Ah, t'as ramené Robert, tu l'aimes bien. Finalement. Oh non, 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 ah, ça j'aime pas. Le oh là 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 là. Ah, le coup du petit vieux qui grossit. Oh oui. Bravo. Merci, mais bravo à toi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bastien. Bastien, très bien. Et t'as un très beau petit chapeau de Dragon Quest. Merci. Alors, c'est parti. Alors Terry, je sais que c'est Terry Bogart. C'est un des personnages les plus célèbres, en fait. Qui a donné son nom à Ken Bogart. Vous connaissez Ken Bogart ou pas? C'est un mec qui commente des matchs de Street Fighter. Si vous avez l'occasion, allez sur Dailymotion et YouTube, vous tapez Ken Bogart. Ce mec fait des commentaires de Street Fighter absolument hallucinants. Il est super drôle. C'est un vrai pro. Il connaît des tas de trucs. Et surtout, il les commente à une vitesse hallucinante. Oh, il a tout de suite trouvé le coup du vieux qui s'énerve. Ah, mais moi, j'ai trouvé un truc super aussi. C'est la boule de neige dans ta gueule. Voilà. Qui marche plutôt bien. Donc, je vais faire que ça, en fait. Voilà. Je vais jouer plutôt la sécurité. Parce que ces petits coups de poing merdeux, là... Mais a l'air d'un sacré branleur, Bogart. Oh, il est passé à côté, bien. Ah ouais, bah d'accord, en fait. Il ne sait faire que ça. J'essaie de faire d'autres quarts de cercle. Ah là, il s'est barré en courant, c'était pas mal aussi. J'essaie avec d'autres boutons, mais ça fait la même chose. Oh là 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 là. Ouais, non, 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 mais ça y est, j'ai compris, je ne viens plus au corps à corps, je pense bien. Moi, je m'en vais dès que ça tourne mal, voilà. Ah, tiens, un petit coup en l'air. Ah bah t'es parti carrément. Oh là 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 là, non non non, mais je veux pas me battre contre ça moi. Non 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 non. Il y a une erreur. En plus ils sont deux. Il y a une fille là et un robot. Oh la vache.
Oh là là, bon ça va, il est lent, ça me sauve un peu, mais oh là là, je crois que je préférais le petit vieux en fin de compte. Mais moi j'ai pris qui? J'ai pris... Ah bah j'ai pris une fille, pas... Non c'est un mec, ok bon. On les reconnaît plus avec les cheveux longs. Oh, oh ça c'est bon ça. Oh je vais le refaire. Voilà. Et là une lance qui fait arc. Je comprends rien au manga moi, mais alors vraiment... C'est fascinant, voilà. Et j'ai gagné. Yes. J'ai l'impression d'être une rockstar, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci. Bon bah super. J'ai pas peur, viens là tout de suite Jean-Claude. Viens là, assieds-toi. Oh ça va chier. Ah bah évidemment tu triches. Déjà à la maison il est comme ça, il triche tout le temps, c'est terrible hein. Bon on n'a pas mis de micro à Jean-Claude par contre hein. Mais moi je sens bien quand il grogne et puis surtout il envoie des odeurs corporelles, des phéromones quand il est pas content. Je peux vous dire... Oh. Je peux vous dire, ça fait flipper. T'as pris quoi, Terry? Je sais pas pourquoi, je sens que je vais prendre cher. Oui, voilà, voilà. Oh là 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 là. Bon, alors, est-ce qu'on le compte dans la compétition ou pas? Est-ce que hors concours ou dedans? Alors tu joues pour l'honneur de Japan Expo, très bien. No escape. Et moi j'ai pris le vieux. Ah ouais, bien le vieux là. Je sais pas si ça va me sauver, mais... Ah oui, d'accord, tout de suite. Bon, bah d'accord. Oh oui, ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'est tout con, c'est un bouton. Super. Ah bah voilà, c'est toi ou c'est moi? C'est toi. C'est moi? Oh, c'est moi. Ça ne... Oh, oh, oui, la honte. Oh là là, bullet time. Oh, on va pas le compter comme un bullet time, ça, quand même. Non, non. Oh non, parce qu'il faudrait le repasser au ralenti, ce serait pas très beau, on s'en fout. Non, mais on pourrait avoir des vrais bullet time, ça, je suis d'accord, mais... On va pas le compter comme... Oh là là, oui, allez, d'accord. Et il me reste plus que ça, en fait. Je comprends mieux, maintenant. Et même ça, ça suffit pas. Ah bah ça y est, il est mort, le vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce gars en jogging? Mais c'est pas possible. Je fais partie du comité, du haut comité contre le port du jogging en dehors des enceintes sportives. Donc c'est pas possible de voir des gens en jogging comme ça dans la rue, partout, dans les jeux de baston. Ah lui, par contre, il a un petit éclair bleu qui me plaît bien. Petit éclair dans le regard, l'éclair de celui qui va mourir. Ah, Jean-Claude est en pleine forme, vous pouvez l'encourager. Ah, je peux vous dire, c'est pas facile qu'il fait Jean-Claude de jouer avec le masque, les mains, etc. Yes! Ça va, t'as pas fait mal? Non, ça va. Bon, super. Comment tu t'appelles? Léna. Bien sûr, alors bienvenue. Pardon, c'est pas ça. Bien sûr. Je commence à fatiguer un petit peu. Assieds-toi, prends une manette. Est-ce que... Oui, c'est vrai, on s'est pas fait la bise, ils ont raison. Avec les micros, façon Madonna, c'est pas facile. Ça va. Vous aimeriez être à ma place, c'est ça? Bah oui. Faut faire de la télé sur nos lives, voilà. Oh, mais elle est super sexy, cher. Il y a l'écran qui vient de tomber. Je pense qu'il y a un pili là-dessous, non mais... Mais je rêve. On est envahi. Oh, c'est gentil de pas en avoir profité. Mesdames, messieurs, un vrai gentleman. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Il y a des bestioles sous la scène, en fait. C'est quand même un beau duel de diablesse, hein. Je trouve assez joli, toutes les deux. En plus, moi, elle se dédouble, apparemment, quand elle est en l'air. Elle doit bien faire dans les 2 mètres, 2 mètres 12, c'est une belle bête quand même. Hein. Oh non, c'est encore moi, monsieur. Excuse-moi, désolé. C'est les... Oh oui, vas-y, profite-en. Je vais changer, tiens, je vais appeler l'autre pour voir. Qui est pas mal aussi. Comment il s'appelle? Kaede, peut-être. Peut-être que ça va m'aider de prendre Kaede. Ah, et toi aussi, t'as changé, tu as pris... Je suis morte. Laurie, elle est morte carrément. Laurie, c'est pas la chanteuse quand même. Elle est pas coiffée comme ça maintenant. Elle change tous les ans en fait de coiffure, on la reconnaît plus à force. Oh, une petite boule de feu bien esquivée, bravo. Oh, il tac. Ah, j'aime pas frapper des filles, hein, mais en même temps, mon honneur est en jeu. Comme si j'avais un honneur. Ça fait bien longtemps que... Je me trimballe la honte. Alors ça, c'est pas moi. Ça continue là-bas. Mais c'est Pili, il nous débranche le truc ou quoi?
On nous a coupé notre écran. Ah, voilà. Oh, ben, mais c'est qu'elle en profite. Oh, j'avais fait un super truc, mais sauf que ça a raté. Bien. Du coup, ça nous remet un peu à égalité. Non. Pour finir, j'ai un petit avantage quand même. Mais au moins, il nous reste plus qu'un personnage à tous les deux. Oh là 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 là. Un bon retour. Oh yes, Schumer, tu t'es bien ressaisi à la fin, mais ça n'aura pas suffi face à la puissance de Marcus, oui. Merci beaucoup. Ah, un friogue peut-être avec tes petites papates. Voilà. Ah, il faudrait plus que je te griffe. Oui, vas-y, ouh, griffe-moi. J'avais demandé à une fille, elle a dit moi, moi. Franchement, c'est pas crédible. Bah pourquoi? Moi, je te crois. Comment tu t'appelles? Axel. Axel, très bien. Assieds-toi. Hop là, c'est beau. Et choisis un petit personnage. Qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est pour la grosse attitude. Oh, tu vas jouer avec ça? Non, 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 tu peux pas. C'est vrai que je suis mauvais d'habitude. Il faut quand même, un minimum de liberté de mouvement. Ah, Marco, bah voilà, c'est une sorte de Marcus. On va prendre ça. Non, en fait, c'est un mec de Metal Slug, c'est ça. Je crois que c'est le mec de Metal Slug. Bon, Axel, t'es fort au jeu de baston ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Non. C'est bon pour moi ça, les petits amis de No Life. Super. Bon, faut pas avoir confiance quand même. Hein. Alors, c'est parti. Oh, il est beau le mien, il est beau. Oh, il a un truc super. Il a un truc dans sa musette. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un point. Moi, je vais faire que ça, voilà. Allez, c'est efficace. Hein. Il a un point, il a un flingue, c'est pas mal. Pas te laisser approcher. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, mais moi, j'ai un truc dans ma musette. Voilà. Bon, et puis peut-être tenter des quarts de cercle, des trucs un peu... Ah non, j'ai que ça, en fait. Non, il y a sûrement... Ah, c'est moi ou... C'est moi. Non, non, on compte pas les tricheries comme des bullet time. Sinon, on n'a pas fini, vous imaginez bien. Oh là là, je me fais attraper dans le coin et j'arrive même plus à sortir mon petit flingue de tout à l'heure. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait, mais... T'as un peu pris feu. Oh là là, il est pas en forme, mon gars. Ah, il est même mort. Ah, un petit enchaînement pas mal. Ah oui, il est mieux, lui, là. J'aime beaucoup K. Ah. Hop. Est-ce qu'il a des trucs, K, des boules de feu, des machins à distance? Vite, vite. Ah oui, c'est pas mal. Un petit tour de magie là, David Copperfield, voilà, c'est pas mal ça. C'est plus Garcimore d'ailleurs que David Copperfield. Surtout que je vais bien finir par être mort avec tout ça. Ah voilà. Allumez le feu. Faut qu'on le fasse hein, parce qu'il va pas en forme. Il est pas en forme Johnny Hallyday, donc si on le fait pas nous, c'est pas lui qui le fera. Allez. Allez. Bravo Axel! Merci! La classe! Merci. Internationale! Bon, les petits amis de Nola, je m'occupe pas beaucoup de vous, mais enfin, c'est parce qu'on est avec les gars de Japan Expo, donc vous comprenez un petit peu. Alors, on va leur faire coucou un peu. Hey, salut les petits amis de Nola! Oh, cette classe! Incroyable! Ah! Mesdames, messieurs, Homer Simpson? Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Julien. Julien, mesdames, messieurs, Julien et Homer. Oh! Qu'est-ce que tu lui as mis, un maillot de foot? Ouais, mais maillot c'est fini, de... là. Japon. Voilà. D'accord, bon, très bien, on va le mettre entre nous. Je ne sais pas si vous le voyez, petits amis de No Life, c'est quand même le vrai Homer Simpson. Assieds-toi là, regarde les matchs et fais le bruit. Voilà. Ah, super. Tu viens d'où? Tu m'as pas dit, j'ai même pas oublié. Je viens de Poissy. C'est pas très loin, alors ça va. 3 quarts d'heure de route, ça va. D'accord. Non, parce que ma vieille stratégie les autres années, c'était de faire parler les candidats pour les faire perdre, tu vois. Tout va bien. Et là, j'oublie. Y a pas de problème. Et comme je me rends compte qu'il y a 3-3, je me dis, fais-les parler. C'est ta seule chance de t'en sortir. Quoique. Oui, j'étais en train de me dire, j'ai la fille et ça se passe bien. Oui, d'accord, c'est toi qui as la fille, en fait. Oui, c'est un peu ça, oui, le principe. D'accord. Je me distrais moi-même, mais c'est pas possible. Mais comment fait-il pour être aussi bête? Oui, parce que pour le moment, Hanzo, c'est pas la grande forme. Hein. Voilà. Ah, j'avais ressorti un truc pas mal. Ils ont tous des petites boules de feu, des trucs.
Voilà. Je pense que si des champions de Fatal Fury nous voyaient, ils auraient honte. Mais bon, on fait ce qu'on peut, puis je trouve que les personnages sont sympas. Non mais toi t'es venu avec ton aigle, carrément en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais, parce que en voiture il y a trop d'embouteillages, donc c'est plus simple de venir au Japan Expo en volant. Ça aide. Ouais, ça aide un peu plus, ouais. J'ai entendu dire qu'en France, quelque part, il y a des gens qui font de la fauconnerie, vous savez, ils élèvent des aigles, des faucons, et ils ont une buse, et la buse, ils l'ont appelée Marcus. Ah oui. Je sais pas si c'est un hommage, sûrement, si c'est ouais. Le hasard. Il y a souvent de là, à mon avis, ouais. Chez Marcus, à mon avis, ça y va, ouais. Je pense qu'ils connaissent. Oh là là, c'est bon ça. Allez. Oh là 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 là, c'est bientôt fini pour moi. Bravo. Mesdames, messieurs, une victoire de plus pour Japan Expo. Ouais. Bah merci. Vous avez peut-être gagné cette année, c'est bien. Ah, bonjour. Ça un friog encore. Très la bien. Pêche. Tu es magnifique. Superbe. Pas plus que toi. Non, mais moi j'ai pas de cosplay. Enfin, c'est non, juste mais tu es toi. Je suis déguisé en Marcus. Marcus is Marcus. Voilà. Tu remplaceras Chuck Norris un jour. C'est très gentil, merci. Peut-être ouais. Qu'un jour à Japan Expo il y aura des cosplays de Marcus, des gars avec mes t-shirts puis un oreiller en dessous qui vont. Ouais, je sais pas jouer. On en est pas loin, hein. On en est pas loin, je pense. Hein. Un problème technique, je te pique la caméra arrière. D'accord. D'accord. On va nous voler la caméra arrière, je vous explique tout. Parce qu'il y a un petit problème technique. Donc au revoir, au revoir les petits amis no life. Et c'est Pili qui remplace, Pili qui faisait chier tout à l'heure et que vous voyez dans 101%. Donne-moi cette caméra, voilà. Mesdames, messieurs, Pili. Et c'est là qu'on voit que je suis pas cadreur. Hein. Je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais, excuse-moi. Fred. Fred, très bien, assieds-toi Fred. Et prends donc un personnage. Moodman. Moodman, ça existe comme nom ça, je vais prendre lui. Je sais pas s'il en faut, mais ça y en veut dire l'homme boue. Ah, je vais prendre Random. C'est un super personnage, ouais, Random. Random, en plus, on le trouve dans pas mal de jeux. Oui, il est dans tous les jeux de baston, Random. Bon. C'est le plus fort. T'as vu, ils ont mis ton perso, là. Oui, c'est sympa, hein. Il y a une petite ressemblance. Bon, je vais le prendre, juste pour te faire je l'avais plaisir. Tout à l'heure, il a un gant de boxe dans le dos, dans sa musette. Ah oui, ouais. Ah, tu bon, verras. Plus, je voulais le prendre. Et je sais plus comment ça se fait, ça, tiens. Eh ben, on va tenter d'essayer. On va essayer les provocations. Ouais, on va tenter d'essayer. Super. Ouais. Tu viens d'où? T'es venu en moto ou... Non, non, pas du tout. Si je monte sur un vélo, je tombe par terre déjà. C'est une sorte de gros doigt comme moi, mais dans ouais, la vraie vie. Dans la vraie vie, ouais. C'est une philosophie, la gros doigtitude. C'est mon modèle de tous les jours. Je ne t'atteindrai jamais. Mais... C'est-à-dire que tu n'atteindras jamais le dessous de moi, non. En fait. C'est ça le truc. On ne sait pas. Voilà. Faisons les petites menaces avant. La petite menace. Voilà. Ah, moi j'ai la danse de la pluie et toi tu picoles. Moi j'ai la picole. Attends, on va tester les autres joueurs. Attends, c'est là pour changer. Voilà. Oui, je change. Voilà. C'est parti. Alors toi tu mets tes gants. Ouais, je mets les mitaines. Là. Très bien. Et là, moi c'est, viens là. Je tape dans mes mains. Très bien. Ok. Allez, tape dans tes mains. Ouais, il a l'air trop débile lui. Je vais prendre lui. Allez, on est parti. Allez hop. Oh là là, tout de suite t'as trouvé le flingue et moi j'ai trouvé comment on vomit en l'air mais je saurais pas comment, je saurais pas le refaire. Ah je peux vomir par terre. Ah je tire en l'air c'est bon ça. Oh bien. C'est utile. Ah ça y est, oh c'est bien ça. Attaque en traître. Bah oui, ça me surprend moi-même si tu veux, donc ça c'est ce qu'on appelle une attaque surprise. C'est voilà. Le nouveau degré de bullet time, c'est l'attaque surprise, l'anti bullet time. Les petits propulseurs dans le dos, j'ai réussi à les sortir. Tiens, tout tatane, à l'heure, c'était pas mal. Oh bien, bien. Ça a été vite réglé dis donc hein. Alors lui aussi, ah mais attends, moi aussi j'ai un gros gant de boxe, j'ai vu. Ouais, ouais, lui il a une bonne allonge dans le genre. Oh là là, mais toi tu m'as l'air doué en jeu de baston en fait. Bah, j'aime bien les Capcom versus SNK sur Dreamcast. Ah, donc tu maîtrises un peu, oh ça y est, mais ça, je vais le refaire, ça c'est bien ça. Ouf, voilà. Je suis obligé de sortir du calibre là. Je vois ça. Ah, mais il n'y a pas de longue portée, je me suis fait avoir. Oh là là. Ah, puis j'ai un blindage. Yes. Un très bon match, ma foi, ouais, bravo. Ouais. Allez, bonjour, comment tu t'appelles? Toff. Toff, bonjour, on l'applaudit. Parce que mine de rien, c'est pas facile de venir faire l'andouille sur une scène devant vous tous. Donc il faut du courage, bravo. Il y a du monde. Le petit vieux est très populaire cette année, je sais pas ce qui... C'est parce qu'on n'aura pas de retraite, je pense. Exactement. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu lui accumules des points retraite. Prends-le en premier d'ailleurs, tiens. C'est-à-dire, voilà. Comme ça, on va lui accumuler des points pour sa retraite. Ça lui fera pas de mal. Oh, j'avais dit qu'il aurait un gros bâton. Il a deux gros bâtons, Mr. Vig. Très bien. Alors, mais est-ce qu'il sait s'en servir? Ah, le petit vieux s'est changé. Il avait une blouse bleue tout à l'heure. Et maintenant, le voilà avec une blouse blanche. Très bien.
Alors attends, moi je vais. Oh oui, dis donc, il est élégant, Mr. Big. Il fait un peu rappeur richissime, mais il est bien. Oh là là, ça y est, t'as trouvé le coup du vieux qu'on appelle ça. Le coup du vieux qui a pris du Viagra, et ça, ça fait super mal. Oh bah, tu t'en vas. Ah, mais le vieux est venu avec une petite jeune, dis donc, vieux dégueulasse. Ah bah, bravo. Ah, puis la jeune, tout de suite, on tue, elle a une casquette, elle est du 9-3, elle est très énervée. On sent que ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Tu préférais le vieux, tu veux pas faire venir le vieux? Allez, oh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est super. C'est moi ou c'est toi qui as fait ça? Je sais pas. Je crois que c'est moi parce que c'était mon deuxième gars qui est revenu. Et du coup, j'ai fait venir Rock. Oh, toi aussi, t'as fait un truc, mais c'était dans le vide. Oh là là. Oh, mais tu balances des grenades maintenant, d'accord. Oh, heureusement que je sautille. Ça, moi, c'est mon truc, c'est le sautillage. C'est toujours ça qui m'a sauvé dans tous les jeux de baston. Yes! Et Mr. Big est de retour! Il en veut encore, Mr. Big! C'est pas fini! Oh, il en prend encore, surtout. Et puis, j'ai rien du tout... J'ai rien du tout au corps à distance avec Mr. Big, donc j'ai intérêt à me rapprocher. T'as vu, il s'avance tranquille avec les bâtons dans le dos. Ah, alors voilà le vieux! Ça va se finir contre le vieux! J'ai rien contre les personnes âgées, mais j'ai quand même un honneur à défendre! Ah voilà, mais ça c'est bien, pourquoi je l'ai pas fait avant? Oh oui! Oh là 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 là! Il faut pas que je me laisse attraper dans un coin par ce petit vieux pervers! Oh là là, une très belle fin de combat! Et la petite jeune qui revient, mais je la laisserai pas revenir justement! Oh là 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 là, ça va être dur pour moi! Non! Oh, mais c'est pas fini! Le vieux est de retour! Mais quel suspense! Oh, bravo, toi, bravo! Ah, oh, mais je me voyais déjà gagnant, moi. Bon, bah d'accord. Mais il est traître, le vieux. Il est pervers et il est traître. Mais je vais le reprendre, tiens. Bonjour! Bonjour! Alors c'est pas facile de s'embrasser avec des micros en fait, on avait compris ça tout à l'heure, mais ça fait plaisir, alors on le fait quand même. Comment alors, tu t'appelles? Karine. Très bien Karine, assieds-toi et choisis un personnage. Alors le Predator a l'air de tenir absolument à ce qu'on prenne AI ou Al, je sais pas. C'est Al, ça vous connaissez mieux que moi? Al? Aïe, aïe. Bava pour aïe hein. Aïe et mais, d'accord. On n'a pas vu la provocation du petit vieux, c'est de se mettre torse nu visiblement. Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors la provocation du petit vieux, alors attends je recule, c'est je mets ma serviette sur la tête et je fais le con avec. N'importe quoi. Et toi c'est quoi? Oh, je monte mon cul. Oh, ne me chauffe pas. Ne me chauffe pas. Vas-y refais-le. Rire, tigresse. Et alors attends, l'autre personnage, ça va être encore pire, Mr. Big exhibe ses gros bâtons. Et toi, change de personnage? Alors. Oh, la fessée! Oh bah, si c'est pour la fessée, je t'envoie le petit vieux. Allez, on est parti! Oh, ça y est, alors ça y est, j'ai retrouvé le coup de... j'ai retrouvé le coup du Viagra. Je vais pas me... En plus, c'est le bouton bleu, je vous assure, hein, j'invente rien, c'est le bouton bleu comme le Viagra, voilà, c'est pareil. Ah bah oui, mais là, tu m'as montré tes fesses, alors évidemment... Ouais, c'est ça. Il est très très énervé. D'où viens-tu, tu m'as pas dit? De Noisy. De 93. Dans le 9-3, ah bah voilà, c'est ce que je disais. C'est le 9 cube. Le 9 cube, on dit, d'accord, c'est comme l'E-cube, c'est la classe. Ah, j'ai fait un petit tournicotis, dis donc, pour son âge, c'est pas mal. Oh merde, ah bah, j'ai fait revenir Mr. Big, alors que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Bah moi non plus. Mais c'est bien, ça change comme ça, c'est un peu du grand n'importe quoi, ça surprend l'adversaire. Et il faut en profiter. Ouh là là! Oh là là, Mr. Big dans sa robe de chambre est en pleine forme! Elle ressemble un peu à Chun-Li, ta fille là. C'est May, c'est ça? Ouais, les couettes en moins. Et elle a pas des grosses cuisses comme Chun-Li dans le dernier Street Fighter. Je sais pas si j'ai des jambons qui lui ont collé dans le dernier Street Fighter, c'est carrément pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que cette brique de Tetris que tu m'as mis au-dessus de la tête? J'ai rêvé ou j'ai vu une brique de Tetris? Si, il y avait une brique de Tetris, d'accord. Je le confirme, mais je sais strictement pas qu'est-ce que c'est. Bon, je vais faire revenir le petit vieux, mais je crois qu'il est mort. Non, d'accord, il est mort. Bon.
Oh, ça va être dur, ça va être dur. Ah, il reste pas grand chose. Ah mais non, il est encore là le vieux, mais il est toujours là quand on l'attend pas. Lui, tout à l'heure c'est lui qui m'a eu. Oh. Ah mais il est où son Viagra? Merde, allez, c'est là. Voilà, ça... En fait sans Viagra il arrive à rien, voilà, c'est simple. Allez, un petit coup de Viagra pour finir. Il met la main sur la jupe, je sais pas si vous avez vu. Magnifique. Oh, perdu. Écoute, c'était un beau match quand même, hein. Ouais, c'est clair. C'était sympa. Bon, eh ben merci beaucoup d'être venu. Bah de rien. Je sens que tu veux me refaire un bisou. Oui. Je le vois dans ton regard. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Virginie. Virginie, assieds-toi. Et c'est la première fois de ma vie que je touche une manette de Xbox. Oh, oui. Alors j'ai peut-être une chance d'égaliser. Oui. Bah, choisis un personnage sympa. Donc, est-ce que tu joues sur quoi, toi, si tu joues pas sur Xbox? PlayStation 2, Super Nintendo. D'accord. Des oldies, quoi, carrément, mais c'est bien. Oui, bah en fait, c'est à part Street Fighter, Super Nintendo, les jeux de combat, j'en ai pas beaucoup. Et donc, t'es quand même forte aux jeux de baston? Bof, j'appuie sur toutes les... Enfin, donc, presque. Je devrais me méfier, c'est ça que... Non. Ah, voilà, donc voilà, ça c'est toi qui viens avec l'aigle. Alors, je vais reculer tranquillement pour qu'on puisse se menacer. Alors voilà ma menace. Je plante mon épée comme ça. Et toi, c'est quoi ta menace? C'est ici là. Ah, d'accord. C'est, je sais pas quoi, elle a fait un smash avec son aigle. L'aigle lui chie dans les mains en fait. Je pense que c'est ça la menace. Possible. Ça fait flipper quand même. Hein. Et l'autre personnage, regarde, t'appuies là pour changer de personnage. D'accord. Allez, et fais ta petite menace. Ah, pardon. Ah. La menace? Oui, j'aime beaucoup cette menace. Une menace pleine de promesses. Et moi, regarde, voilà, petit signe d'impuissance. Je vais reprendre l'autre, il va l'air plus sympa. Allez, on est parti. Si tu connais un peu Street Fighter, ça devrait aller. Je pense. Oh, il a l'air bien le mien, là. Il a une grosse épée. Un peu un gars de Soul Calibur face à une fille de Street Fighter, quoi. Il y a un machin qui a été coupé en deux, genre une carte à jouer. Je sais pas d'où ça sortait. C'est ça qui est bien avec les jeux de baston japonais, c'est qu'il se passe sur des trucs hallucinants. Et encore, je pense qu'on n'a pas effleuré 2% de ce jeu, qui doit avoir des capacités hallucinantes. Mais bon, je voulais un jeu que je connaisse pas et je m'en retrouver à égalité avec les gens de Japan Expo, histoire que ce soit toujours des matchs à peu près équitables. Attends, je vais me faire éclater, on a un personnage. C'est vrai? Oh non, attends, alors. Je vais prendre l'autre, du coup. Il est ridicule dans son petit pyjama bleu, mais c'est pas grave. Oh. Ton aigle, il bosse pas beaucoup, hein, j'aurais pas dire. C'est des techniques spéciales, je crois. Mais je suis pas sûr, je connais aucune. Pourtant, tu as du caca d'aigle dans les mains, donc normalement, ça devrait être beaucoup plus puissant qu'un coup normal. Ah, puis fais comme moi, oublie pas les gâchettes, parce que c'est des gros coups bien bourrins. Et ça aide bien. Quand t'es en panique, ça marche toujours. Je pense que je vais renvoyer l'aigle à la niche d'ici pas longtemps. Je reviens avec mon petit sabrier, je sais pas comment on dit, un gars qui manie le sabre. Sûrement pas ça, sûrement pas sabrier. Merde. Bon. J'ai gagné. Large. Écoute, c'était un beau match quand même. Ouais. Donc bravo. Et merci d'être venu jouer avec nous. Eh bien, Japan Expo, c'est terminé. Ça vous fait combien au final? 5 à 6, c'est ça? C'est quand même grâce au Predator que vous avez gagné. Je suis désolé. Vrai ou faux? Alors on remercie le Predator. Et nous, petits amis de Japan Expo, on se retrouve demain. Je crois que c'est un peu plus tôt, à 12h30, dans la salle, dans l'amphithéâtre, pour un autre Marcus contre Japan Expo. Sur un autre jeu, vous aurez la surprise, ce ne sera pas forcément celui-là. À bientôt, on se retrouve sur nos lives à la rentrée, et puis demain ici en vrai à Japan Expo. Ciao, ciao. Au revoir les petits amis de nos lives. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.